Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de Garde Alliance. Aujourd'hui, Garde Alliance numéro 10 de la saison 48. On est sur le début de la dernière semaine avec voilà, une deuxième partie de saison qui est un peu compliquée hein, pour l'Alliance parce que malheureusement, on a très très peu de victoires. Hein. Très peu de victoires. Voilà, globalement, on sait qu'on sera platine 2 parce que malheureusement, voilà, trop de chaos sur, notamment sur des lignes, hein, même s'il y a beaucoup de chaos sur certains mini-boss, hein. Vous l'avez vu notamment sur ma chaîne, je vous en ai pas mal parlé, mais notamment sur les Killmonger, sur les Bullseye, hein. La plupart de mes chaos cette saison, c'est là-dessus, hein, très franchement. Alors, il y en a quelques-uns sur d'autres combats un peu touchy, style Gore en 42 ou Gore en 40, par exemple. Mais voilà, globalement, on est quand même surtout sur des chaos, sur bah voilà, ces deux combats très très compliqués que sont Bullseye et comment il s'appelle et Killmonger. Mais au-delà de ça, du coup, on est parti donc sur cette GA avec du coup une équipe composée de Namor, Baron Zemo et Void. Donc là on est parti du coup avec Baron Zemo. Alors là je crois que je fais toute la ligne avec le petit compte, de mémoire. Hein. De mémoire je fais tout avec le deuxième compte et le gros compte va prendre le relais pas mal sur les MB. Voilà, donc là une petite Jessica Jones. Bon, Baron Zemo est un très très bon compte à Jessica Jones. J'avais un derrière je crois de mémoire que j'ai un Quicksilver. Et du coup bon j'aurais eu un meilleur contre, mais je vous avoue que pour Jessica Jones... Un des meilleurs contres, c'était du coup c'était justement Baron Zemo. Donc voilà, je me suis dit écoute, on va y aller comme ça, tac tac, là on continue, là je tape dans sa garde, là l'objectif c'est vraiment qu'elle balance son SP2. Hop, donc là vous voyez il y a le petit les petits saignements hein, qui grignotent. Hop, on tape un peu dans la garde, ça fait du crit, c'est cool. Et on va terminer assez tranquillement cette Jessica Jones dès qu'elle va passer en enraciné. Voilà, donc ça c'était le premier extrait. Maintenant, deuxième extrait, on va aller du coup avec Void sur Sasquatch. Bon, ça va être un combat qui va pas être très très compliqué, hein, très franchement. Combat qui va pas être très compliqué, qui va être un petit peu long, mais qui va pas être très très compliqué. Voilà, je vais pas vous le passer. Voilà, souvent les combats de Void, je vous les montre pas. Enfin, je montre que la fin. Parce que très vraiment, bah, le début, c'est juste. Voilà, tu te mets en place et tout. Mais dès que t'es mis en place, après, t'es absolument inarrêtable. Parce que l'adversaire ne gagne presque plus de pouvoir. En tout cas, plus de pouvoir de façon passive. Donc, c'est beaucoup plus facile à voir venir. Il se fait grignoter de fou. Il peut plus éviter. Enfin, bref, c'est une dinguerie. Il peut plus gagner de vie. Enfin, et sa santé est même inversée. Bref, personnage vraiment de ouf, Void, trop trop fort. Derrière, on va aller du coup sur le Quicksilver avec Baron Zemo. Donc là, voilà, on fait du gameplay Baron Zemo parfait. Hein, c'est-à-dire que voilà, l'objectif, c'est vraiment d'aller lui mettre des saignements. Voilà, on lui met des saignements et là, vous voyez que mine de rien, on l'a bien grignoté. Là, il a 1500 partiques, le pauvre. Et derrière, on va faire un petit SP1, tac, qui va... bien percer la défense du Quicksilver. Bon, c'est un combat qui se fait très très simplement et vraiment Baron Zemo en détente sur cette GA. Baron Zemo en grosse détente. Derrière, Namor va prendre le relais. Namor va prendre le relais avec du coup une petite Kate Bishop. Voilà, là l'objectif ça va être de renverser parce qu'en gros il y a une protection, il faut renverser pour enlever cette protection. Voilà, le combat va pas être foufou. En gros, l'idée c'est qu'il fallait absolument pas que je fasse de SP2, je crois, de mémoire. Parce que sinon, bah, j'étourdis, donc c'est un peu chiant. Voilà, les petites prouesses qui pop. Tac, et là derrière, on va passer en Imperius. Et ça fait plaisir. Ça fait plaisir, l'Imperius qui pop. Et derrière, tac, tac. Et là, alors, pourquoi on a mis ces dégâts-là? Tout simplement parce que, alors en gros, il y a eu un œil ouvert. Et il faut savoir qu'en gros, si j'avais touché sur le premier coup, et ça, j'avais complètement zappé. Si je touchais sur le premier coup, c'est moi qui aurais pris 85 000. Je ne sais pas si je mourrais. Je ne sais plus. Est-ce que je mourrais? Est-ce que Namor, il avait 85 000 PV? Ouais, peut-être moins qu'il les ait. 89 000. C'est pas sûr. Hein. Ça se trouve, je serais mort vraiment de peu. Hein.
Bref, en tout cas, voilà. En tout cas, c'est elle qui a pris les dégâts, là, parce que du coup, c'était sur le deuxième coup. Bref, en tout cas, là, c'est, en tout cas, là, ça s'est bien déroulé, mais ça m'est déjà arrivé de KO là-dessus. Ensuite, on va avoir, donc, sur le gros compte, cette fois, les premiers combats. Donc, on va commencer avec un. Alors, ça va être une GA un peu compliquée, hein, sur le gros compte. Voilà, j'ai un gore pour commencer sur la ligne. Enfin, sur la 40. Je vous avoue que sur la 40, c'est un peu compliqué parce que malheureusement, c'est un gore qu'on peut taper avec très peu de trucs. Et au-delà de ça, bah, voilà, on gagne très peu de pouvoir. Vous voyez, c'est le problème de mon Dragon Man, c'est que là, il va gagner très très peu de pouvoir. Donc, pour réussir à le pousser dans son coin, c'est quand même pas évident. C'est quand même pas évident. Là, derrière, je vais faire le spé 1 vraiment juste avant d'avoir le grand pouvoir. Mais c'est pas évident quoi. Là derrière, on va pouvoir taper un peu. Enfin, on s'en sort quand même. Vous voyez, là, on est à 10%, 10% d'enlever. Enfin, on est pas mal, hein. On est pas mal. Mais le problème, c'est qu'il faut que je réussisse à le pousser dans son coin. Le problème, c'est qu'à un moment, eh bien, il va réussir à m'avoir. Il va réussir à m'avoir. Parce que là, vous voyez, je recule, je recule, je recule. Et à un moment, bah voilà, je recule dans le mauvais timing. Et donc là, le spé 2. Là, je me dis, bon, de toute façon, c'est mort, hein, je vais perdre quoi qu'il arrive et tout. Mais en fait, c'est vrai que j'avais pas remarqué qu'en fait, c'était pas mort. C'était pas mort, en fait. Moi, dans ma tête, c'était vraiment sûr que c'était mort. Mais en fait, pas tant que ça. Pas tant que ça du tout. Parce que là, vous voyez, au final, si j'avais réussi à l'enchaîner, enfin, à pas prendre déjà, j'ai pris des coups bêtes et tout. En fait, j'étais pas obligé de le pousser en pouvoir et tout. Enfin, bon, je me suis laissé emporter, malheureusement. Je me suis laissé emporter. Bon, en même temps, on est sur un Gore 7R3 et tout, donc forcément, ça ne pardonne pas quand on prend des debuffs et tout. Mais dans ma tête, en fait, je voyais la durée des debuffs. On connaît la durée des debuffs de Gore, et du coup, je me suis dit, bah, il faut que je prenne des risques pour pouvoir essayer de le tomber avant la fin. Et en fait, bah, pas du tout. En fait, je pouvais potentiellement le laisser. Et ce qui m'énerve, c'est que derrière, là, vous voyez, ça s'est super bien goupillé. Parce que derrière, j'arrive en fight, je le mets dans son coin, tac, vous voyez. Là, on va derrière lui faire direct le spé 1. En fait, il aurait limite fallu que je fasse ça dès le début. Hein. Parce que si j'avais fait ça dès le début, ça m'aurait permis vraiment de le pousser direct dans son coin, avec un spé 1 et tout. Et direct, j'aurais fait des dégâts, vous voyez. Alors que là, bon, voilà, quoi. Ça a été un peu limité. Derrière, on va aller sur la chose. On va aller sur la chose avec Kushala, qui n'était pas banni à cette GA. Là, l'objectif sur ce fight. Je crois qu'il y a Conflictor de mémoire. Ça va être vraiment de taper dans la garde déjà pour avoir les prouesses et tout. Et au-delà de ça, en fait, l'objectif, ça va surtout. Oui, non, il y a Incinération. Oui, c'est Incinération des chars. Mais bon, je prends très très peu de dégâts. Ça, c'est pas trop le problème. C'est pas trop le problème. Le problème va surtout être en fait l'IA. Parce que là, vous voyez, à ce moment-là, je me dis, bon, je suis plutôt bien, hein, en vrai, je suis plutôt bien. Là, j'ai juste à pop Conflictor. J'ai juste un pop conflictor et derrière je fais un gros 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 spé 2 et ça fait plaisir. Donc là mon objectif c'est vraiment ça, c'est pop le spé 2. Tac, là vous voyez je lui mets deux attaques. Alors j'aurais dû peut-être faire deux attaques moyennes, attaques rapides peut-être. Tac, là derrière j'attends le spé 1. Le problème c'est que là vous voyez je suis grave dans mon coin en fait, c'est ça le problème. C'est que là je suis grave dans mon coin. Et là en fait à ce moment-là je suis grave dans la merde. Pourtant j'ai mis l'indestructible et tout. Mais je suis grave, grave, grave dans la merde. En plus, lui a l'indestructible. C'est hyper compliqué, quoi. C'est hyper compliqué. Vous voyez, je suis dans mon coin. Hein. Je peux absolument rien faire. Et c'est ça qui me saoule. C'est que vous allez voir qu'en vrai, ce combat-là, parce que c'est pas non plus le combat super safe et tout. Mais en vrai, ce combat-là, il peut mais tellement bien se goupiller si l'adversaire fait pas de la merde. Franchement, ça peut tellement bien se goupiller. Le truc, c'est que là, je suis tellement dans mon coin. J'ai aucune alternative, en fait. Là, vous voyez, j'ai essayé. Enfin, en fait, là, par exemple, j'aurais dû. Ouais, ça m'est arrivé, je crois, des fois, de tenter la parade. Là, vous voyez, j'ai fait la parade et c'est bien. Là, il faut la tenter, des fois, la parade. Parce que là, à un moment, vous voyez, là, je suis dans mon coin. À un moment, je fais le SP3 là pour m'extirper. Il faut que je m'extire. Mais vous voyez, j'arrive pas à lui enlever de dégâts. Il est tout le temps. Enfin, et là, je me gourre dans le spacing. Enfin, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Tac, la parade. Et là, je peux enfin faire des dégâts. Là, je peux enfin faire des dégâts. Et je crois que de mémoire, voilà. Pff, non mais franchement, s'il vous plaît, juste, il est en garde. Non mais regardez le truc qu'il fait. Garde, plus garde.
frérot. Comment on peut faire ça en 2024? C'est pas possible, une IA qui fait ça. Franchement, je m'en rappelais de cette fin de combat. Ça m'avait vénère de fou. Il m'a complètement empêché de jouer tout le fight. Et derrière, il me sort ça, quoi. Dès que j'ai un petit peu de l'est, de laisser, ça. C'est fou, même soi. Bref, ça m'avait trop saoulé. Surtout que là, derrière, vous allez voir que là, le combat, il va se dérouler exactement comme il faut. C'est-à-dire que là, derrière, je vais taper, je vais pouvoir faire pop conflictor, tac. Derrière, on va pouvoir tranquillement l'emmener à 15. Il va faire son spé. Voilà, je passe en conflictor, tac, tac. Et là, il y a conflictor qui pop. Et là, à ce moment-là, bon, conflictor n'a pas pop, justement. Mais là, vous voyez, et c'est là que la pointe dame, elle fait effet. Là, la pointe dame, elle fait grave effet. Parce que du coup, il y a du buff. Il y a du buff, et donc forcément, bah, ça fait du 2000 par tick. Et c'est exactement ce que je voulais depuis le début. Réussir à lui faire un petit peu de dégâts comme ça, quoi. Là, le spé, encore une fois. Conflictor qui repop, enfin conflictor, pardon, la pointe d'âme qui pop, mais qui fait pas pop conflictor, c'est étrange, mais en vrai ça se prend. Tac, le brise-garde pour faire passer à 15, et là vous voyez, on est bien, voilà, là je lui mets le max de debuff, et voilà, et le combat il se déroule trop bien, et là je lui ai enlevé les 80% qui lui restaient en un même temps, voilà, mais le problème c'est que s'il y a fait vraiment, on en fait qu'à sa tête, c'est compliqué. Derrière, je vais aller avec Gambit contre Nick Fury. Voilà, l'objectif c'était de le faire tomber assez vite. Hop, deuxième vie, et derrière, voilà, un peu plus d'une minute, vous voyez. Donc, malheureusement, je suis pas en cavalier d'apocalypse, hein, donc on peut pas malheureusement faire plus de dégâts. Le brise-garde, non, je vais même pas faire le brise-garde. Oh, j'aurais pu. Tac, tac, tac. Et là, je sais maintenant que dès qu'il va faire son spé, dès qu'il va faire un brise-garde. Vous voyez, je vais prendre dans la garde, brise-garde, SP2. Voilà. Derrière son brise-garde, SP2, et on est pas mal. Voilà, donc ça, c'était le premier fight de ce tier 4. Ensuite, on a un Dragon Man contre Arcus. Là, je sais qu'il faut que ça soit un combat assez rapide. Enfin, il faut que ça soit un combat assez expéditif, parce que sinon, je sais que ça va être un peu compliqué. Je vais perdre beaucoup de dégâts avec la vague de froid, parce que je vais être souvent près de lui. Je me dis, écoute... Fais le SP3, en vrai, fais le SP3, parce que le SP3, mine de rien, va bien te stuff et te permettre de prendre des dégâts autres, en fait. Voyez, donc malheureusement, là, je perds pas mal de dégâts, quand même. Le petit SP qui pop, non, même pas, dans la garde, j'ai tellement pris cher. C'était chaud, hein. Là, les dégâts que j'ai pris, mais là, à ce moment-là, je me dis, écoute, vas-y, enlève tes dégâts. Ok, tu prends un peu de dégâts de vague de froid, mais en même temps, il y a les dégâts de dégel, il y a les dégâts dans le coin et tout, et je savais que ça passerait. Voilà, bon, un combat qui n'est pas dingue, mais ça passe. Derrière, on va aller du coup sur Bullseye avec Kushala, donc sur un Bullseye en boss. Là, pour le coup, bon, ce combat-là, je pense le maîtriser quand même. Là, l'idée, ça va vraiment être de prendre un max de dégâts dans la garde, parce qu'on régène dans la garde, je rappelle. Voilà, et derrière, l'objectif, ça va être de lui faire pop ses spé, hein, de toute façon. L'objectif, ça va être de faire pop ses spé. J'attends juste qu'il fasse ses spé, et là, en plus, j'ai mes trois bénédictions, donc il n'y a aucun problème, je régène et tout, donc nickel. Là, vous voyez, j'ai juste... Tac. Ah oui, là, je l'intercepte d'abord avec le spé. Donc là, du coup, derrière, je crois que l'objectif, ça va être d'aller peut-être en SP2. Bon, est-ce que j'arriverai à aller en SP2? C'est pas sûr. Là, je régène un peu moins dans la garde, malheureusement, parce que j'ai qu'une seule bénédiction, donc il va falloir que je refasse 2-3 parades, quand même. Hop, les petites parades qui font plaisir. Hop, là, on peut contre-attaquer. Et là, ça fait plaisir. Le SP2 qui va partir. Tac. Tac. Et tac. Et là, la pointe d'âme. La pointe d'âme de 3600 parties. Là, j'ai mes 3 bénédictions. On est bon, on régène. Aucun problème. Je régène absolument tous les dégâts importants que je devrais prendre. Et là, derrière, on va faire un gros SP1 qui va maintenir la pointe d'âme encore et qui va permettre de mettre 5000 de dégâts. Et ça, c'est cool.
Là, en plus, c'est surtout qu'on n'a pas beaucoup plus d'incinération qu'on aurait dû. Et là, on est à 5000 partiques. On est à 5000 partiques. Donc là, l'idée, ça va être vraiment essayer, si on peut, de remonter en CP1 pour maintenir les 10. On va pas réussir, malheureusement. Tac. Là, à ce moment-là, je me dis, écoute, c'est là où ça peut être compliqué. Si là, t'arrives pas à t'en sortir, ça peut être compliqué. Parce que là, je suis dans mon coin et tout. Il faut absolument qu'il fasse son spé, quoi. Il faut absolument qu'il fasse son spé. Les doubles dextes. Et là, je sais que je vais régénérer pas mal. Tac, tac. Là, il y a un petit indestructible. Mais à un moment, il faut que je m'en sorte. Il faut que je m'en sorte. Le brise-garde. Et là, derrière, on va refaire un spé, hein. Et là, on se renvoie l'appareil. Après un petit moment où c'était un peu compliqué pour moi. Là, je lui renvoie l'appareil de nouveau. Avec les six incinérations. Et là, je sais qu'à ce moment-là, je vais pouvoir remonter moi aussi en CP1. Hop, lui remettre des incinérations. On est à 9 incinérations. Et là, on est de nouveau à des dégâts quand même vraiment intéressants. On est à 10 000 particules à peu près. Enfin, 5 000 particules, donc 10 000 par seconde. On va pouvoir le retaper et le terminer. Ça fait plaisir. Malheureusement, ce fut une. Je crois que c'était une. Oui, ce fut une défaite. Je crois que ce fut une défaite sur cette GA. Malheureusement. Ah, attendez. Ah non, oui, c'est vrai qu'il reste ce combat-là. C'est vrai qu'il reste ce combat-là. Il reste ce combat-là. Il reste ces combats-là. C'est vrai. Il reste ces combats-là, en fait. Il reste ces combats-là. Non, je crois que cette GA, pardon. Cette GA, on a dû la gagner, celle-là. On a dû la gagner, la dixième. On a dû la gagner. Donc là, en gros, ce serpent, je vous avoue que j'ai fait une erreur. Sur le deuxième compte, c'est de ne pas mettre le boost 3 coups. À la base, je devais mettre le boost 3 coups. Le problème est que je l'ai zappé. Et c'est pas parce que je veux économiser ou quoi, parce que j'en ai qui périment. Donc vraiment, c'est juste un oubli. Juste un oubli, mais le truc, c'est qu'en voilà, en jouant à plein de moments différents, bah, je vous avoue que ouais, j'ai zappé. J'ai zappé. Ça arrive malheureusement de zapper, alors que voilà, j'avais prévu de le faire, mais j'avais prévu de le prendre, mais voilà. Malheureusement, ça ne le fera pas. Donc là, on a la petite peur du néant qui pop. Pas mal de dégâts dans la garde, malheureusement. Hein. Pas mal de dégâts dans la garde. Là, on esquive. Le petit spé1. Là, il va falloir qu'on tape un peu dans la garde. Parce que malheureusement, il y a quand même pas mal, y a quand même pas mal de dégâts qui partent. Bêtement. Le petit spé1. Et le problème, c'est que je sais en fait que dès qu'il va avoir un spé3, ça va être la fin, quoi. Je sais que dès qu'il y a le SP3, c'est la fin. Là, c'est dommage parce qu'en plus, j'y enlève vraiment beaucoup de dégâts. Là, vous voyez les dégâts. Là, vous voyez sa vie, comment elle dégage. Sa vie, elle dégage de fou. Mais le problème, c'est voilà. Le problème, c'est que bah, s'il y avait eu ce petit boost invul, bah, ça aurait résisté. Ça aurait résisté, malheureusement. Malheureusement, voilà. C'est un chaos. C'est un chaos, malheureusement. Derrière, on va y retourner du coup avec Void. On va y retourner avec Void, je ne m'en remets pas autant de vie, hein, parce que là j'en ai pas besoin de beaucoup, sachant. Surtout, bon, je rate une esquive là. Je rate une esquive là, mais globalement, je savais qu'il allait mourir. Je savais qu'il allait mourir, surtout que son gain de vie, je limitais quand même pas mal. Et on va le tuer assez tranquillement. Voilà, derrière, on va aller sur Killmonger avec Namor. Donc là, l'objectif, c'est d'avoir un petit boost P1. Et de lui mettre des dégâts, bah, de toute façon, déjà de gagner du pouvoir en fait, surtout. Hein. Ça va être de gagner du pouvoir. Alors, je vous avoue que je vais me faire avoir par deux trucs dans ce combat. Je vais me faire avoir par deux trucs. Le premier, alors ça va pas venir tout de suite, le premier. Je crois que c'est là. Bon, je me suis pris 2-3 coups et tout, mais rien de bien grave. Vous voyez, le combat il est plutôt bien parti. Le gros problème en fait, c'est ça. C'est le problème, c'est que le SP3. Bah en fait, pop pas. Le problème, c'est que derrière, il y a l'étourdissement. Et derrière, je me fais éclater la gueule. Je me fais éclater la gueule. Je suis dégoûté parce qu'en fait, dans ma tête, je lançais le SP3, en fait. Je pensais que, vous voyez, qu'il y avait SP3, SP2, SP3, SP2. Et je me suis dit, bah, il faut que j'en sois au SP3. Le problème, c'est qu'en fait, bah, malheureusement, c'est tombé sur le SP2. C'est tombé sur le SP2. Et donc voilà, le SP2 qui est étourdi sur le dernier coup. S'il avait étourdi sur un autre coup, ça l'aurait fait. Mais là, sur le dernier coup, c'est mort, quoi. Derrière, c'est moi qui suis étourdi à cause du renvoi de stun. Derrière, je vais y retourner. Et bah, je vais me faire encore une fois avoir par un autre truc. Par un autre truc, c'est que bah, au lieu de faire une dext, et ça, c'est toujours un petit problème avec Kabam, c'est que des fois, bah, tu demandes de dext. Et bah, ça prend en compte ton à-coup.
Et donc, bah, tu te retrouves à faire une parade, alors que t'as pas du tout envie de parade, hein? T'as pas du tout envie de parade. C'est pas là, mais ça va pas tarder à arriver, hein, de toute façon, ça va pas tarder à arriver. Oui, ça va pas tarder à arriver, de toute façon, je suis bientôt mort, donc je crois que c'est là. Ah oui, le petit spé 1, et je crois que c'est derrière là. J'essaie de dext. En fait, j'ai essayé de faire une double dext, vous voyez. Comme je fais très très souvent d'ailleurs. Hein. En gros d'essayer. Bah, de regarder. Là, c'est simple. Je lance mon spé 1. Derrière, j'esquive une fois. Vous savez, c'est la double dext que vous faites un peu avec Hercule. Vous voyez, c'est. Enfin, c'est pas une double dext, c'est juste vous reculez en deux fois, en fait. Et bah, malheureusement, là. C'est trop compliqué, genre, enfin, franchement, j'étais trop énervé après ça. J'étais trop énervé parce que je me dis, putain, mais sans déconner, j'OS le boss, j'OS toute la gauche, les OS et tout avec mon gros compte, mais derrière, je te lâche un KO sur Serpent parce que je loupe un, parce que je zappe un boost, deux KO sur Killmonger pour différentes raisons, des raisons qui sont pas que en ma possession malheureusement, parce que ce truc-là, c'est pas la première fois que je souligne, hein, ce truc de bah tu demandes de dext et ça prend en compte juste l'à-coup, et donc l'à-coup forcément, bon, pour faire une dext, tu touches fatalement, tu touches ton écran, c'est logique. Sauf que tu le touches directement en faisant enfin tu glisses quoi, tu fais pas juste un à-coup. Malheureusement, bah ça compte pour une parade et tout, alors que enfin ça ne devrait pas. Littéralement, ça ne devrait pas. Bref, en tout cas, voilà, ce qui est un peu chiant, c'est que voilà, je fais au final 5 KO. Je fais du coup un KO sur le gore, là, avec les debuffs que je prends. Un KO sur le Lachose qui sort de sa garde, là, et qui me lâche une inter lunaire avec son SP2. Le Killmonger, là, les deux trucs que je viens de vous montrer. Et le serpent, par contre, là, pour le coup, c'est vraiment 100% de ma faute. Même le gore, hein, le gore, c'est moi qui panique et tout. Mais voilà, le serpent, c'est surtout là le chaos qui fait mal. C'est que, voilà, avec un boost invul, ça passait, quoi. Bref, écoutez, merci à vous. J'espère que ça vous aura plu. Et on se retrouve bah, très, très très vite pour plein de nouvelles vidéos de GA et de tout type. N'hésitez pas à rester connecté parce que, du coup, bah, ce soir, enfin, c'est même pas à rester connecté, mais c'est demain soir et après-demain soir, il y a des lives. Opening de Crystal Titan avec le nouveau Crystal Titan, avec l'arrivée de pas mal de champions sympas, notamment le Serpent, par exemple. Mais également, du coup, vous avez le 8.4, l'acte 8.4 qui sortira, du coup, mercredi avec un live sur ma chaîne, évidemment. Donc, deux lives, même, deux dans la soirée. Il y aura une petite pause entre les deux. Et allez voir la vidéo de ce soir. Il y a eu une petite vidéo sur l'hiver de malheur 2.0 avec tous mes combats sur le deuxième compte. Bref, allez voir tout ça. On se retrouve très très vite. Et moi, je vous dis à plus pour plein de nouvelles vidéos tous les soirs à 19h. Salut!